Bonjour, je m'appelle Romana Carrette. Je suis responsable du département de construction d'appareils de l'entreprise Regofix ici à Teniken en Suisse. J'aimerais vous présenter notre nouvelle unité de serrage entièrement automatisée, la PGA 9500. La PGA 9500 est basée sur la PGU 9500, éprouvée et équipée avec des entraînements linéaires électriques pour ouvrir, fermer et verrouiller la porte. Voyons comment ça fonctionne. La PGA a été conçue pour fonctionner en continu 24 heures sur 24 et peut effectuer 120 changements d'outils par heure. Cela correspond à une durée du cycle de 30 secondes. Il fonctionne ici dans une cellule de démonstration et est actionné par un robot et commandé par une commande supérieure. Le PGA communique avec la commande supérieure de la cellule d'automatisation via le protocole OPC-UA. Le tout est conçu comme une architecture client-server. On voit ici la commande du PGA. Et à gauche, en haut, l'armoire électrique de la commande supérieure et en bas, l'ordinateur du robot. Le système de commande supérieure envoie par exemple au PGA l'ordre de serrer l'outil et que le PGA signale en retour que le serrage est terminé et que l'appareil est prêt pour un nouveau processus. Un tableau de bord IHM basé sur un serveur web est disponible pour la mise en service ou la maintenance. IHM est l'abréviation pour l'interface Home-Machine. Il peut être affiché via un navigateur web sur n'importe quel appareil connecté à l'Internet, donc un ordinateur portable, un tablette ou un téléphone mobile. IHM permet par exemple de voyer la communication ou des fonctions comme des intervalles de maintenance ou des erreurs. Des capteurs de déplacement sont installés sur les entraînements de portes afin de surveiller le cycle et de signaler les éventuelles erreurs à la commande supérieure. Un capteur ultrasonique détecte si un porte-outil est inséré ou non. La colonne de signalisation indique l'état du PGA au moyen de différents codes clignotants de couleur verte, orange et rouge.